Bien, mesdames, messieurs, je voudrais bien sûr associer Mme Valérie Petit, députée de notre circonscription, ainsi que Brigitte Herbier, sénatrice, à l'hommage que nous rend ensemble au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Notre pays vient à nouveau d'être lâchement frappé par la barbarie terroriste, par des gens pour qui la vie humaine n'a aucune valeur et pour qui nos valeurs ne représentent rien. Après Nathalie Jardin, Marcoise, tragiquement disparue dans l'attentat du Bataclan, la communauté marcoise est durement éprouvée, avec le décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, dont l'épouse et la belle-famille sont marquoises. Par son sacrifice héroïque, le lieutenant-colonel Beltrame a prouvé que les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité étaient bien plus fortes que l'obscurantisme et la barbarie. En votre nom à tous, ici réunis, la ville de Marcon-Barœul et la communauté marquoise adressent ses pensées à l'ensemble des victimes, à leurs familles et à leurs proches. Et en leur hommage, je vous remercie de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. J'invite Madame la députée, Madame la sénatrice, à signer le livret de condoléances que nous avons mis à la disposition des Marquoises et des Marquois, et ceux qui le souhaiteront pourront bien évidemment, durant toute cette semaine, à poser également leur message de condoléances sur ce registre. Merci à vous, merci aux autorités qui nous font l'honneur d'être présentes à cette cérémonie.
Allons, enfants, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, les rochers, nos fils et nos compagnes. Thank you.